pas bouger. Oh là, Manon, arrête donc ton charroi. Prête tes oreilles à mon propos. Ne saches-tu pas que tu es séant sur les terres de mon seigneur et suzerain, Gontran le Glabre? Et c'est à ce noble titre que je te somme d'apporter preste réponse à ma quémande. D'où viens-tu? Je viens du village du Hameau, par-delà le ruisseau. Ah ah, tu es donc un vassau de Juan le Pleutre, lui-même gendre de Gontran le Svelte, et donc cousin par alliance de Richard Cœur de Vaux, contre qui mon suzerain guerroie depuis bientôt 6 jours. Titan couché! Retrousse donc ton chemin, paysan, et retourne-t'en d'où tu viens. Les pleutres comme toi n'ont point à marauder dans la forêt des Carnutes. Je dois livrer mon foin à la ferme du moulin. Je ne veux pas le savoir. Demi-tour preste, te dis-je, ou il t'en cuira de mon gourdin. Allez, Titan, va chercher. Oh là, Manon! Mais que vois-je? Ton âne n'est point pourvu des catadiopes réglementaires. Allez, papier du véhicule. Alors... Titan, on ne mange pas des cailloux!